The Lord God is good, amen. Man. Hallelujah. All right, go with me to 2 Corinthians chapter 5. Nous allons en 2 Corinthiens chapitre 5. And we're going to read from verse 17 all the way to the end. 2 Corinthiens 5 à partir du verset 17 jusqu'à la fin. 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthiens 5. And this morning, I want to speak to you on this subject, the ministry of reconciliation. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet qui est intitulé le ministère de la réconciliation. The ministry of reconciliation. Le ministère de la réconciliation. We have been blessed in the past few weeks by Pastor Stephen. Nous avons été bénis par le pasteur Stephen. And Minister Bim, they have come to give us a wonderful word and message. Les ministres BIM qui sont venus pour pouvoir nous partager un message merveilleux. Hallelujah. We learned last week that we are blessed. La semaine passée, nous avons appris que nous sommes bénis. We are blessed by the Lord. Amen. Nous sommes bénis par le Seigneur. And Minister Bim taught us how to what to do and during the time of waiting. Et elle nous a fait comprendre ce que nous devrions faire pendant ce temps où nous sommes en attente. Glory to God. And so let's read 2 Corinthians chapter 5. Let's read verse 17 all the way through. Donc 2 Corinthiens 5 à partir du verset 17 jusqu'à la fin. And the apostle Paul says, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away, behold, all things are become new. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. And all things are of God who have reconciled us to himself by Christ, by Jesus Christ, and have given to us the ministry of reconciliation. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and have committed unto us the word of reconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Verse 21. Le verset 21. For he have made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. And now let's just go to chapter 6 and let's just read verse 1. Chapitre 6, le verset 1. And it says, we then as workers together with him beseech you also that ye receive not the grace of God in vain. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Amen. May the Lord add his blessing to the reading of his word. Et que le Seigneur puisse ajouter sa bénédiction à la lecture de sa parole. Glory to God. And so this morning we're talking about the ministry of reconciliation. Donc nous allons parler ce matin du ministère de la réconciliation. And so I believe I am led to share with you a reminder this morning. Je pense que je suis conduit à vous rappeler ce matin. That no matter what is going on in our world today. Que peu importe ce qui est en train d'arriver dans le monde aujourd'hui. No matter what's going on in nations around us. Peu importe ce qui se passe dans les nations tout autour de nous. And even in our own personal lives, et même peu importe ce qui arrive dans nos vies personnelles, we must not lose focus of the bigger picture. Nous ne devrions pas perdre le regard sur l'image en fait entière. And what do I mean by the bigger picture? Et qu'est-ce que je veux dire par l'image qui est plus grande? The bigger picture is recognizing that every one of us have been given a mandate from God. C'est le fait de reconnaître que chacun d'entre nous, nous avons reçu un mandat de la part du Seigneur. We have been given a mandate from God from the moment we got born again. Il y a un mandat qui nous a été délivré à partir du moment où nous sommes nés de nouveau. To be agents and channels of reconciliation. Pour pouvoir être des canaux, des canals, pardon, de réconciliation. Hallelujah.
And so we must not become too self-focused and self-driven. Et donc, nous ne devrions pas devenir des personnes centrées sur soi, sur elles-mêmes. That we forget and lose sight of a lost and dying world around us. Au point d'oublier en fait que le monde qui est tout autour de nous est en train de mourir et est perdu. We have a calling, we have a job and a work to do for God until Christ returns. Nous avons une œuvre, nous avons un travail à accomplir pour le Seigneur jusqu'au retour de Christ. And that is what we're talking about today. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. One of my concerns that I observe, you know, currently in the body of Christ. Une des choses que j'ai observées et qui m'inquiète un petit peu dans le corps du Christ, Well, let me say parts of the body of Christ. je vais dire une partie du corps du Christ, And even in my own personal life, et personnellement aussi dans ma vie à moi, is that we are living in a time where it can be so easy to become self-centered and self-focused. C'est qu'on vit dans un temps, en fait, dans une époque où c'est tellement facile d'être centré sur soi. Or to put it plainly, become selfish. Et donc, et pour le dire simplement, donc c'est simple au jour d'aujourd'hui de devenir quelqu'un d'égoïste. With our own lives and desires. En fonction de nos désirs et de nos propres volontés. That we can completely forget and lose focus about others around us. Au point où on pourrait même perdre le focus, en fait, des autres qui sont autour de nous. Or we can even lose focus concerning the purpose of God in our lives. Et nous pourrions aussi perdre, en fait, ce que Dieu nous demande dans notre vie. The primary purpose of God. Amen. Le but qui est la priorité, en fait, que Dieu a mis en chacun d'entre nous. And so we have to even be mindful that even during this time of pandemic. Et donc, nous devrions être très attentifs que durant ces temps de pandémie, lockdowns and self-isolation. Où tout est en fait limité et où nous sommes isolés. That we have to be mindful that it does not make us very insular. Nous devrions vraiment faire attention à ce que cela ne nous rende pas insulaires. That we become insensitive and numb to the spiritual well-being of our generation. Au point où nous devenions insensibles en fait à notre génération et aux besoins de celle-ci. Amen. It is almost like we live in a time where everybody is trying to survive or make it. En fait, c'est comme si maintenant on était dans une période où chacun essaie en fait de survivre, essaie d'arriver, de joindre les deux bouts. It's like survival of the fittest. C'est comme si soit tu survis, soit tu es défait. Amen. But we need God to help us identify ways that we can reach out to others. Mais nous devrions trouver ou chercher des moyens par lesquels nous pourrions atteindre les autres. Amen. Now, of course, we need God to help us live. Et bien évidemment, nous avons besoin que Dieu nous aide aussi à vivre. More than ever. Vous savez que Dieu a besoin de chacun d'entre nous plus qu'encore avant. But we also need God to help us identify ways that we can reach out to others in our world. Mais nous devrions demander à Dieu de nous aider à identifier de quelle façon nous pourrions donc atteindre le monde. And when I say others in the world, I mean starting from your world. Et quand je parle des autres dans le monde, je commence avec votre monde à vous. Your family, your neighbors, your community. Votre famille, votre communauté, vos voisins. And then of course, your generation. Et bien évidemment, votre génération. Hallelujah. And so, when we look at these scriptures. Et quand nous regardons à ces écritures. Let's go back to verse 17 again. Let's read it. Donc, allons en 2 Corinthiens 5 au verset 17. Retournons là-bas. Verse 17, Paul says that therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. L'apôtre Paul dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. So those of us who are in Christ, we recognize now that, you know, we have been made new creatures. We are new creatures. Ceux qui sont nés de nouveau, nous reconnaissons que nous sommes de nouvelles créatures. Amen. The Bible says when you become born again, you become a new species like never existed before. La Bible dit que quand vous êtes né de nouveau, vous êtes devenu une nouvelle espèce qui n'avait jamais existé dans le passé. The new man in Christ is a new creature. Et le nouvel homme en Christ est une nouvelle création. It's a new creation. That's who we are. C'est une nouvelle créature, une nouvelle création. Glory to God. And then in verse 18 says, all things are of God who have reconciled us
to himself by Jesus Christ. Au verset 18, il dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. And have given to us the ministry of reconciliation. Et qui nous a donné le ministère de réconciliation. Everything is of God and comes from God. Et donc tout est de Dieu et tout vient de Dieu. Amen. And God reconciled us to himself. Et Dieu nous a réconciliés avec lui. What does it mean to reconcile? Alors, qu'est-ce que ça veut dire réconcilier? To reconcile means to call back into union and fellowship. Réconcilier signifie rappeler à l'unité, rappeler à la communion. To call back into union and fellowship. Rappeler, ramener à l'unité et à la communion. And it also means to restore to friendship and favor after estrangement. Et ça veut dire aussi revenir à l'amitié, à revenir à l'échange. To restore to friendship and favor. Restaurer donc l'amitié, restaurer la faveur. And so we have been called back into union and fellowship with God. Et donc nous avons été rappelés à l'unité, rappelés à la communion avec Dieu. That's an awesome thing, to be in union and fellowship with God Almighty. C'est vraiment quelque chose de merveilleux que de pouvoir être rappelé à l'unité, à l'union et à l'amitié avec le Seigneur. We have been restored to a friendship. Et donc notre amitié avec lui a été restaurée. That was lost, a relationship that was lost. C'était une relation. Because of the first man, Adam. C'était la relation qui avait été perdue à cause de l'échec d'Adam. And prior to us being born again, there was enmity between us and God. Et avant que nous puissions naître de nouveau, il y avait l'inimitié entre nous et Dieu. There was a divide between us and God. Il y avait quelque chose qui nous divisait en fait entre avec Dieu. Mais il n'en est plus. And I like this, and I love it. It says, and restore to favor. Et j'aime aussi cette partie qui dit que nous avons été restaurés dans la faveur. We are favored with God. Nous sommes favorisés en fait. Nous avons la faveur avec Dieu. Hallelujah. To reconcile also means to bring back or to bring together. Réconcilier signifie aussi ramener ensemble ou bien réunir en fait, rassembler. Amen. And so we have been brought back to God and brought together with God. Donc nous avons été rappelés au Seigneur, nous avons été réunis avec lui. Because of what Jesus did on the cross for us. À cause de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. And so since he has, since God has brought, we have been restored back to fellowship with God. Et alors depuis que nous avons que notre communion avec le Seigneur a été restaurée. Through our Lord Jesus Christ. Au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. God gave us the ministry of reconciliation. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. And of course, reconciliation is the act of reconciling. Donc, so, la réconciliation, c'est l'acte de se réconcilier. So all the definitions we gave of to be reconciled is tied to reconciliation. Donc, toutes les définitions que nous avons données qui parlent de réconcilier, et c'est lié à la réconciliation. Amen. And so, we have been born again. We have been made new creatures in Christ. Donc, nous sommes nés de nouveau. Nous avons été faits de nouvelles créatures en Christ. Amen. And since now, we have been restored. Our relationship with God has been restored. Et à partir, de ce moment-là, jusque maintenant, notre relation a été restaurée avec le Seigneur. Amen. God is calling us and he has given us a ministry. Dieu nous a appelés et nous a donné un ministère. A ministry to reconcile others back to him. Et ce ministère, c'est le fait de réconcilier les autres avec lui. Hallelujah. And so we are ministers of the gospel. Et donc nous sommes des ministres de l'évangile. Every single one of us is a minister of God. Chacun d'entre nous, nous sommes des ministres de Dieu. You may not have a title as a minister in the church. Bien que vous n'ayez peut-être pas de titre en tant que ministre à l'église. But God has made us ministers. Mais Dieu a fait de chacun d'entre nous des ministres. He has made us servants of the gospel. Il a fait de nous des serviteurs de l'évangile. So that through us, he can also reconcile others back to himself. De sorte qu'au travers de nous, il puisse aussi réconcilier d'autres. So that they can also have favor. Pour qu'ils puissent aussi avoir cette faveur. So that they can also have a union and fellowship with God. Et puissent aussi vivre en unité et avoir cette communion avec le Seigneur. Hallelujah. You know, God used somebody to win us back to him.
Vous savez, Dieu a utilisé quelqu'un pour que nous puissions être gagnés pour lui. If we all look back, there's somebody in our life who was quite a key individual that God used to win us to the Lord. Donc chacun d'entre nous, si nous regardons un petit peu en arrière, nous pouvons trouver la personne en fait qui a été utilisée pour nous amener au Seigneur. Sometimes it was even somebody who was praying for us and we did not even know. Pour certains, c'est peut-être une personne qui priait pour nous et sans que nous le sachions. But because of their willingness, because of their submission to God, Mais à cause de leur volonté et à cause de leur soumission au Seigneur, and their realization that they are a minister of reconciliation, et à cause du fait qu'ils avaient compris qu'ils étaient des ministres de la réconciliation, they allow God to use them to bring us back to God. ils ont permis à Dieu d'être utilisés pour que nous puissions être réconciliés. And now it is our turn. Et maintenant, c'est notre tour. It is our turn to allow God to use us to bring someone else back to Him. C'est notre tour de permettre à Dieu de nous utiliser pour amener quelqu'un d'autre vers lui. All of us have a ministry. Chacun d'entre nous, nous avons un ministère. Amen. And there are particular ways, different ways that God can use you and your ministry to win people back to Him. Il y a des façons particulières, des façons différentes que Dieu peut faire avec vous pour pouvoir amener d'autres personnes à être gagnées pour lui. We all have different gifts and different talents. Chacun d'entre nous, nous avons des talents et des dons différents. We all have different ways of sharing our testimony and story. Chacun d'entre nous, nous avons des façons différentes de pouvoir partager notre histoire ou notre témoignage. And that is your service. That is your ministry. Et c'est ça ton service, c'est ça ton ministère. That is your particular way that God will use to help restore others back to Him. C'est la façon particulière que Dieu va utiliser au travers de toi pour pouvoir amener d'autres à être gagnés pour lui. Glory to God. Hallelujah. Let's read verse 19. Verset 19. And so it says, to wit that God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and have committed unto us the word of reconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. And so we see that, you know, God himself was in Christ. Donc Dieu lui-même était en Christ. When Christ was dying for the world to bring us back to God. Quand Christ est en train de mourir pour le monde pour que nous puissions être ramenés. And I just want to focus on the latter part of this verse. J'aimerais regarder la dernière partie de ce verset. And it says, and have committed unto us the word of reconciliation. Donc la dernière partie qui dit, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. And so we understand that we are ministers of reconciliation. Donc nous comprenons que nous sommes des ministres de la réconciliation. And we have also been committed or given the word of reconciliation. Et la parole de la réconciliation nous a aussi été transmise. Or the message of reconciliation. Ou bien, si je peux dire, le message de la réconciliation. The word here committed means put in. Donc le terme ici, quand il parle, il dit remettre ici, ça veut dire en fait être mis dans. It means to put in us. Ça veut dire placer au-dedans. God has put in us the word or message of reconciliation. Ça veut dire que Dieu a mis au-dedans de nous la parole de la réconciliation. What is the word of reconciliation? Et quelle est-elle cette parole de la réconciliation? It is simply the gospel. C'est simplement l'évangile. The gospel is the word of reconciliation. L'évangile est la parole de la réconciliation. It is the message of grace. Et c'est le message de la grâce. It is the message of God's mercy. C'est le message de la miséricorde de of Dieu. His love. De son amour. And righteousness through Jesus Christ. Et de la justice au travers de Christ Jésus. The word of reconciliation is the message that our sins have been paid for and forgiven. C'est ce message qui dit que nos péchés ont été pardonnés et que tout a été payé. In fact, let's go quickly to 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthiens 15. Hallelujah. The ministry of reconciliation. Le ministère de la réconciliation. And I do, and I believe that the Holy Ghost wants me to share on this. Et je crois que le Saint-Esprit veut que je puisse partager cela avec vous. Because every now and then we need to think and remind ourselves of the bigger picture.
parce que, en fait, de temps en temps, il est bon de pouvoir véritablement nous rappeler, en fait, de cette image qui est bien plus grande que ce que nous pensons. Of the very reason why we are here on earth. Des véritables raisons pour lesquelles nous sommes ici sur la terre, en fait. Why God saved us. Pourquoi Dieu nous a sauvés. Amen. Yes, God wants us to live our own lives. Oui, Dieu veut que nous puissions mener notre vie. He wants us to enjoy our life. Il veut que nous puissions jouir de notre He vie. wants us to follow after our passions and our dreams. Il veut que nous puissions suivre nos rêves, suivre notre passion. But in all of that, there is still a call and a purpose for all of us. Mais dans tout cela, il y a toujours cet appel pour nous, pour chacun d'entre nous. And there is a specific ministry or assignment that he has given us. Et il y a une tâche spécifique qui nous a été And donnée, that is the ministry of reconciliation. qui est le ministère de la Glory réconciliation. to God. And here in 1 Corinthians chapter 15, we're going to see the gospel in its simple terms. Alors, 1 Corinthiens au chapitre 15, nous allons voir l'évangile en termes simples. Or what is the gospel by definition? Alors, c'est quoi l'évangile selon la définition? And so Paul says, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also you have received, and wherein ye stand. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans laquelle vous avez persévéré. And so Paul is saying here, all that he taught and preached, Et donc Paul dit que tout ce qu'il a enseigné, tout ce qu'il a prêché, the essence of the gospel is what he's about to tell us. donc l'essence de l'évangile, c'est ce sur quoi il est en train de parler. Let's go to verse 3. Le verset 3. For I deliver unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. And that he was buried and that he rose again the third day according to the scriptures. Et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Hallelujah. And so the essence of the gospel is that Christ died for our sins. Donc l'essence même de l'évangile, c'est que Christ est mort pour nos péchés. And our sins has been forgiven. Et nos péchés ont été pardonnés. Everybody can receive the forgiveness of their sins. Et tout le monde peut recevoir le pardon des péchés. And everybody can have the hope of eternity. Et tout le monde peut avoir l'espoir de l'éternité. Where heaven will be their home. Là où le ciel sera notre maison. Everybody can have a restored a relationship with God. Tout le monde peut avoir une relation restaurée avec Dieu. Hallelujah. Sorry. Okay. And everybody can have the favor, experience the favor of God that we are experiencing. Et tout le monde peut expérimenter la faveur de Dieu que nous expérimentons aussi. And then he said that, you know, he died and he rose again. Et il dit qu'il est mort et qu'il est ressuscité. That is the power of our gospel. Not only did he die, but he rose again. C'est la puissance de l'évangile. Ce n'est pas seulement qu'il est mort, mais il est ressuscité. And so this is the word of reconciliation. Donc voici la parole de la réconciliation. That we must not lose track of. Que nous ne devrions pas donc détourner le regard de cette parole. Let's go back to 1 Corinthians chapter 15. Donc 1 Corinthiens 15. Pardon, 2 Corinthians chapter 5. Excusez-moi, 2 Corinthiens au chapitre 5. Hallelujah. Glory to God. Gloire à Dieu. And so we've been born again. Nous sommes nés de nouveau. Hallelujah. Hallelujah. We have been reconciled back to God. Et nous avons été réconciliés avec Dieu. We've been given a ministry of reconciliation. Donc le ministère de la réconciliation nous a été donné. And he has committed or put in us the word of reconciliation. Et il a mis en chacun d'entre nous la parole de la réconciliation. Amen. The word, the gospel is already on the inside of us. Et donc l'évangile, la parole, elle est déjà à l'intérieur de chacun d'entre nous. You don't need a title to be able to share the gospel. Vous n'avez pas besoin d'avoir un titre pour pouvoir partager l'évangile. We don't need some kind of special spiritual endowment before we can share the gospel. Nous n'avons pas besoin d'une pratique spirituelle particulière avant de pouvoir aller partager l'évangile. The basics of the gospel is already inside of you. Les bases de l'évangile sont déjà à l'intérieur de vous. Which we just read in 1 Corinthians. C'est ce que nous venons de lire en 1 Corinthiens. Hallelujah. And so we have been given the word of reconciliation. Et donc la parole de la réconciliation nous a été donnée. Say with me this morning, I have the word of reconciliation. Dites avec moi, j'ai la parole de la réconciliation. Say with me, the gospel is already on the inside Dites of me. Dites avec moi, l'évangile est déjà à l'intérieur de moi.
Hallelujah. And then let's go to verse 20. Verset 20. It says, now then we are ambassadors for Christ as though God did beseech you by us. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur de Christ comme si Dieu exhortait par nous. And so in addition to being made ministers of reconciliation, et donc en addition au fait que nous avons donc cette tâche d'être ceux qui vont réconcilier, given the work of reconciliation, qu'on nous a donné ce travail de la réconciliation, we have also been made ambassadors for Christ. Il a aussi fait de nous des ambassadeurs de Christ. Amen. You are an ambassador of the kingdom of heaven. Donc vous êtes un ambassadeur du royaume des cieux. An ambassador simply means a representative. Et un ambassadeur signifie simplement que vous êtes un représentant. An ambassador represents their home country in another country. Et donc un ambassadeur représente son pays natal dans un autre pays. Ambassadors are normally also known as diplomats. Et ils sont aussi connus comme étant des diplomates. And so you and I are diplomats of heaven. Donc vous et moi, nous sommes des diplomates du ciel. Regardless of what nationality is on your passport. En dépit de ce qui est noté sur votre passeport. Our true nationality right now is not wherever you were born. Notre véritable nationalité n'est pas fonction de là où nous sommes nés physiquement. Or it's not the country that you have taken as your new country. Ce n'est pas le pays que vous avez accepté comme votre pays natal. Amen. Prior to our salvation, we were citizens of the earth. Donc avant notre salut, nous étions des citoyens de la terre. And citizens of wherever you were born. Et nous étions des citoyens de là où nous sommes nés. But now our true citizenship is of heaven. Mais maintenant, notre véritable citoyenneté se trouve au ciel. Heaven is our home country. Le ciel est notre pays natal, est notre maison. And we are here on earth as ambassadors to represent heaven. Et ici sur la terre, nous ne sommes que des ambassadeurs qui représentent le ciel. We are here on the earth to tell other people that there is a better country that they can be part of. Nous sommes ici sur terre pour pouvoir annoncer donc à un maximum de personnes qu'il y a un meilleur pays en fait où ils pourraient vivre. We are here to invite them to change nationality. Et nous sommes ici pour les inviter à changer de nationalité. To change citizenship. Pour changer de citoyenneté. Amen. Just like in the natural, some of us have changed our citizenship. Comme dans le naturel, certains d'entre nous, nous avons changé de citoyenneté. We are not citizens, or we don't even consider ourselves as citizens of the country that we were originally born in. Peut-être nous ne nous considérons plus comme des personnes qui sommes nées dans le pays là où nous sommes nés. We've taken the citizenship of another country. Nous avons pris la nationalité, la citoyenneté d'un autre pays. And many times people do that because their new country has better benefits. Et souvent, les gens ils font ça pourquoi? Parce que le pays dans lequel ils sont maintenant a davantage de bénéfices en fait. Amen. When they switch citizenship, it's because they went for something better. Quand ils changent en fait de citoyenneté, c'est simplement parce qu'ils veulent avoir quelque chose de mieux. Can anyone understand what I'm saying this morning? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ce matin? And that is what happened when we gave our lives to Jesus. Et c'est ce qui est arrivé quand nous avons donné nos vies à Jésus. Amen. We were translated from the kingdom of darkness into the kingdom of light. Nous avons été transférés du royaume des ténèbres vers celui de la lumière. We moved from the worldly kingdoms into the kingdom of heaven and the kingdom of God. Nous avons bougé donc du royaume qui était terrestre au royaume céleste. And God made us ambassadors. Et Dieu a fait de nous des ambassadeurs. Glory to God. And that is how we have to see ourselves. Et c'est comme ça que nous devrions nous regarder. I am an ambassador of God. Je suis un ambassadeur de Dieu. I represent heaven. Et je représente le ciel. My life now represents all that heaven is about. Et ma vie représente tout ce que le ciel représente. Amen. And as a citizen of heaven. Et en tant que citoyen du ciel. I enjoy certain privileges. Alors je peux jouir de certains privilèges. Glory to God. You know, when an ambassador is another country, quand un ambassadeur est dans un pays étranger, there are certain laws of that country that they are in that does not affect them. Il y a certaines lois du pays dans lequel il se trouve qui n'a aucun effet qui n'ont aucun effet sur elle, sur that lui. They don't have to abide by. Et ils ne doivent pas vivre en fonction de cela. And they have certain exemptions. Et ils ont aussi des exemptions, ils sont exemptés de certaines choses. And that is what we have as citizens of heaven. Et c'est ce qui se passe aussi avec nous en tant que citoyens du ciel.
There are many things on this earth that does not that, that we are exempted from. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur la terre desquelles nous sommes exemptés. Glory to God. Hallelujah. Amen. Amen. And so we can see that we have been called by God to be active in the kingdom of God. Et donc nous avons été appelés par Dieu pour être actifs dans le royaume de Dieu. As ambassadors and ministers of reconciliation. En tant qu'ambassadeurs et ministres de la réconciliation. We have been given the responsibility to share Jesus with the people in our world. La responsabilité de partager, de parler de Christ dans le monde entier nous a été déléguée. With the people that we encounter. Et nous devons le faire avec toutes les personnes que nous rencontrons. With the people we meet at work. Les personnes que nous rencontrons au travail. Amen. People that we are in constant contact with. Les personnes avec qui nous sommes en contact permanent. They are our world. Hallelujah. Ces gens-là sont notre monde. So sometimes when we say the world is a big place. Amen. And parce que quand on parle du monde, parfois on a l'image que le monde est tellement grand. It seems so far away. Et que ça semble que c'est comme si c'était tellement loin. But there is a world that we can reach. Hallelujah. Mais il y a un monde auquel nous pouvons que nous pouvons atteindre. And so the world is waiting for us. Et donc le monde nous attend. The world, the Bible says that the world, this creation is waiting for the manifestation of the sons and daughters of God. La Bible nous dit que le monde attend ardemment la manifestation des filles et des fils de Dieu. And that's according to Romans chapter 8 verse 19. Romains 8, 19. The world is waiting for us to manifest, to show up. Le monde attend que nous puissions nous manifester, que nous puissions nous montrer. To declare who we are. Pour déclarer qui nous sommes. Amen. Hallelujah. And to also allow God to work through us. Et de permettre aussi à ce que le Seigneur puisse travailler au travers de nous. So that they can also experience the grace, the love, the mercy and the power of God. Pour qu'ils puissent expérimenter la grâce, l'amour, la miséricorde et la puissance de Dieu. And so it is time for us to manifest. Donc il est temps que nous puissions nous manifester. It is time for us to manifest who we are. Il est temps que nous puissions manifester qui nous sommes. And to do what we have called to do. Et de faire ce que nous avons été appelés à faire. Amen. The world is waiting for solutions and answers. Le monde attend des solutions, attend des réponses. Whether globally or personally. Que ce soit globalement ou personnellement. Amen. The world is looking for answers. Donc le monde attend des réponses. Amen. When you turn on the TV or when you watch the news. Quand vous allumez la télé, vous regardez les nouvelles. There's so much turmoil in the world. Il y a tellement de tourments dans le monde. Glory to God. And I'm sure you know people, there are people in your lives. Et je suis certain que vous connaissez des gens qui sont dans votre vie. That they want direction, they want answers. Qui ont besoin de réponses, qui ont besoin d'une direction. And sadly, they are looking for it in all the wrong places. Et malheureusement pour eux, ils sont en train de rechercher ces réponses au mauvais endroit. We have answers. Mais nous avons la réponse. We have answers in Jesus. Nous avons des réponses en Jésus. In His Word. Dans sa parole. Hallelujah. You know, we have answers even concerning what is going on in this world. Il y a même des réponses que nous avons concernant tout ce qui se passe, tout ce qui arrive dans le monde. That tells us what time, what season, what age we are in. Et qui nous dit donc dans quelle période, dans quelle saison, dans quel âge nous nous trouvons. Amen. That the Bible has predicted what will happen in the last days. La Bible a déjà prédit ce qui va arriver durant les jours de la fin. Amen. And we can even say that. Things were not really as we get closer to the second coming of our Lord Jesus. Et nous pouvons dire alors que nous rapprochons de la seconde venue de Jésus-Christ que les choses. There are all kinds of things that will happen. Les choses, il y aura tout genre de choses qui vont arriver. Things may even get worse. Et les choses pourraient même ou vont même devenir pires. Hallelujah! But if you are in Christ. Mais si vous êtes en Christ. Hallelujah! You know that you know even if things get worse in the world. Vous savez que même si les choses s'empirent dans le monde, you have salvation. Vous avez le salut. You have eternal, you have an eternal hope. Vous avez une maison éternelle. Amen. And we can even believe God even during these times. Et nous pouvons croire en Dieu pour ce temps dans lequel nous sommes. To keep us, to provide for us. Nous savons qu'il va nous garder, qu'il va pourvoir pour nous. Protect us. Il va nous protéger. Amen. And so we have hope. Et donc, nous avons l'espoir. Which the world lacks right now. L'espoir que le monde n'a pas.
Hallelujah. And so we Alléluia. have credentials and authority to represent Christ. Et donc, nous avons donc cette autorité et nous avons cette permission de pouvoir représenter Christ. You have credentials and authority to represent Christ. Vous avez cette autorité et cette permission de représenter Christ. Let's go to Matthew chapter 18. Matthieu 19. Hallelujah. Glory to God. Gloire à Dieu. Let's look at Matthew chapter, sorry, Matthew chapter 28, I mean. Matthieu 28. Amen. We're just going to the basics today. Nous allons donc, nous voyons les bases aujourd'hui. The Lord want to remind us that that there is still a bigger picture. Donc le Seigneur veut simplement nous rappeler qu'il y a une image qui est bien plus grande. Amen. He still has a purpose and a plan for this world. Et il a toujours un plan et un but pour le monde. And his desire for his ultimate desire in the world right now is that men and women be saved. Et son désir ultime, c'est que les hommes et les femmes puissent être sauvés. And it's going to happen through you and I. Et cela arrivera au travers de vous et au travers de moi. Glory to God. And so here in Matthew 28, verse 18, we know about the Great Commission. Donc le Matthieu 28 au verset 18, nous parlons ici de la grande mission. The Great Commission that Jesus gave to his disciples. À la grande mission que Jésus a donnée à ses disciples. Glory to God. Let's read from All right, let's just read from verse 16 then. À partir du verset 16, nous lisons. It said, then the 11 disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them. Et donc, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Can you imagine some of the disciples still doubted after all that Jesus has done? Est-ce que vous pouvez vous imaginer donc les disciples qui sont en train de douter en fait après tout ce que Jésus a pu faire? After all that he did in their presence? Après tout ce qu'il avait fait alors qu'ils étaient présents quand il le faisait? And then died and rose again? Il est mort, il est ressuscité. Hallelujah. Verse 18. Verset 18. And, said, and Jesus came and spoke unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Jesus proclaimed to them that he has received from God the Father all power or all authority. Et donc il proclamait là qu'il avait reçu de Dieu le Père toute la puissance, tout le pouvoir, toute l'autorité. And that word power or authority there is the Greek word exousia. Et le terme ici pouvoir en grec c'est exousia. It means dedicated power. Ça veut dire en fait une puissance qui a été dédiée. God delegated all power to Jesus, not just in heaven, but also on the earth. Une puissance qui a été déléguée. Dieu l'a fait, non pas seulement au ciel, mais aussi sur la terre. And since he has received all power now, et alors qu'il avait reçu toute la puissance, he's also able to delegate that authority. Lui aussi maintenant, il est capable de déléguer cette autorité, cette même autorité. And so in verse 19, he says to disciples, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Et verset 19, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jesus commanded his disciples to go into the world and to preach and teach the gospel. Jésus a commandé aux disciples d'aller dans les nations, dans le monde, et d'aller et de pouvoir prêcher l'évangile et de l'enseigner. They have now become his ambassadors. Ils étaient maintenant les ambassadeurs de Christ. They have now become ministers of reconciliation. Ils étaient devenus des ministres de la réconciliation. And he's given them the word of reconciliation. Et il leur avait donné la parole de la réconciliation. And so he commanded them to go. It was not a suggestion. Et il les a commandés de partir. Ce n'était pas une suggestion qu'il a fait. Amen. And God is not, I don't believe God is suggesting to us to be ministers of reconciliation or not. Je ne crois pas que Dieu est en train de nous suggérer de pouvoir devenir des ministres de la réconciliation. God requires us to be so. Mais je crois qu'il exige qu'il en soit ainsi. And it says, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Ghost. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à... Ah non, excusez-moi. Et allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
The word here teach means it's not teach as I'm teaching right now. Et alors, verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai écrit. Le terme enseigner, c'est pas en fait d'apprendre comme on est en train de le faire maintenant. Teach here means to make disciples. Mais ici, le terme signifiait en fait faire des disciples. Amen. Teach means to make disciples. Signifiait véritablement faire des disciples. And you make disciples by sharing the word of reconciliation. Et vous créez, vous faites des disciples en amenant la parole de la réconciliation. And he told them to make disciples of all nations. Et il leur a dit de faire des disciples toutes les nations. The Greek word nations there is ethnos. Nation en grec, c'est ethnos. It means races, tribes, or ethnicities. Ça veut dire la race, la tribu ou l'ethnie. And so Jesus told them to go and preach to everyone. Et donc Jésus leur a dit d'aller et de prêcher à tout le monde. In other words, I mean everyone aside from their own people. Tout le monde, ça veut dire en fait en dehors de leur propre peuple à eux, tout le reste aussi. Hallelujah. And you know, God requires us to share the word of Et reconciliation. vous savez que Dieu a besoin de nous pour pouvoir partager cette parole de la réconciliation. Not just with our own kind. Pas seulement avec ceux qui nous sont semblables en Not fait, just hein. with our own race. Pas seulement avec ceux qui sont de la même race que nous. Not just with, in fact, there's only one race anyway. Mais en réalité, il n'y a qu'une seule race en fait. There's one human race, Il y a la race humaine qui est but there's unique. different ethnicities. Mais Amen. nous avons des ethnies différentes. And so God it does not God does God wants us to share His word not just with people that look like us. Donc Dieu voudrait que nous puissions partager la parole, pas seulement avec les personnes qui nous ressemblent, People from our own communities. mais non pas seulement les gens qui sont de notre communauté. But he has given us the power and authority Mais il nous a donné la puissance et l'autorité. and put the word in us Et il a placé cette parole en nous, that we can share with all nations. de sorte que nous puissions aller et la partager avec toutes les nations. As he leads us and as he and wherever he takes us. Là où il nous lead, là où il nous emmène. Glory to God. Hallelujah. Amen. Amen. And then he talks about when people receive Christ, we baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Et après, il dit que quand les gens donc reçoivent le Christ, nous devons les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. And then verse 20 says, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Now, this word here, teaching, is what I'm doing right now in verse 20. Et donc, le terme ici, dans le verset 20, le faire enseigner ici, parle en fait de ce que le pasteur est en train de faire pour l'instant. After we make disciples of men, Après avoir fait des hommes des disciples, we have to teach them what we know, nous devons leur enseigner ce que nous savons, what we have learned, ce que nous avons appris, what we have been taught, ce que nous avons, ce dont on a été enseigné, what we have experienced. ce Amen. que nous avons expérimenté. So that they can be able to also do the same De sorte qu'ils puissent eux aussi à leur tour faire la même chose. when they become ministers of reconciliation. Quand ils deviennent des ministres de la And réconciliation. so Jesus told disciples, teach people everything that you've learned and saw in my life. Jésus a dit aux disciples, enseigne, enseigne à tout le monde tout ce que tu as vu dans ma vie et tout ce que je t'ai enseigné. And the good news is that he was with them to do so. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il était avec eux pour faire He cela. says, I am with you Il a always. dit, je suis avec vous tout le temps. Amen. Now notice Jesus did not tell them, you know, even though that you're gonna face some trials and tribulations. Alors, même si vous allez faire face à certaines tribulations, certains défis, He didn't tell them that as you go and preach the gospel, it's not gonna be all easy. et Jésus ne leur a pas dit, alors que vous allez faire cela et apporter l'évangile, il ne leur a pas dit que ça allait être facile. But he told them that I am with you. Mais il leur a dit, je suis avec vous. So that they'll remember that no matter what they face and go through, De sorte qu'ils puissent se rappeler que peu importe ce à quoi ils doivent faire face, for the gospel's sake, pour l'évangile, God is still with them. Dieu sera toujours avec Jesus eux. is still with them. Il est avec eux. And that is the same with us. Amen. Et il en va de même pour nous. Being a Christian is not always easy. Être un chrétien, ce n'est pas toujours facile. It's not always smooth sailing. Ce n'est pas toujours un chemin bien glissant.
God never promised us that we're going to have an easy life from the day we become Dieu born ne again. nous a jamais promis que nous allions avoir une vie facile à partir du moment où nous l'acceptons dans notre vie. But he did promise us that he will always be with us. Mais ce qu'il nous a promis, c'est qu'il allait toujours Oh, être and avec that's the good news that he will always be with us. C'est la bonne nouvelle que nous avons, c'est qu'il sera Jesus says, toujours I avec am nous. with you always. Parce qu'il a dit, je suis avec vous en tout temps. Until the end of the world. Jusqu'à la fin du monde. Or we can say, until your spirit leaves this world and Ou goes bien, with him. on peut dire jusqu'au jour où l'Esprit qui est en vous quitte votre corps et rejoint le Seigneur. He will always be with us. Il sera toujours avec nous. Amen. And so Amen. never let where you are or what you're going through dictate to you whether God is with you or not. Alors ne laissez jamais que les circonstances ou ce qui vous arrive vous dicter le fait de savoir si Dieu est avec nous, avec vous ou pas. And so we must teach others and make disciples of men and women. Donc nous devons enseigner les autres et nous en faire des hommes et des femmes, des disciples. Teach them what we have learned and what we have been taught. Nous devons leur enseigner ce que nous avons appris, ce que nous avons aussi été enseignés, nous devons leur transmettre. This is our primary ministry and calling till he comes. C'est notre appel et c'est notre ministère jusqu'à son retour. This is what being agents of reconciliation is. Amen. C'est ça, être un agent de la réconciliation. Hallelujah. Glory to God. To God. Gloire à Dieu. Hallelujah. And if we don't do and become what God has called us to do, Et si nous ne faisons pas, si nous ne devenons pas ce que Dieu nous a demandé de faire ou de devenir, if we don't share this word of donc si reconciliation, nous ne partageons pas la parole de la the réconciliation, truth is that people are gonna die la vérité c'est que les gens mourront and miss eternity. et qu'ils passeront à côté de l'éternité. Well, actually, they will go into eternity, but they will not go to heaven. En réalité, ils iront dans l'éternité, mais pas au ciel. Amen. We have this responsibility Nous avons cette responsabilité to at least share the gospel. d'au moins partager l'évangile. And we cannot just wait for others to do it. Et nous ne pouvons pas simplement attendre que les autres le fassent. While we enjoy all the blessings in the kingdom. Et pendant ce temps, nous, on se réjouit de toutes les bénédictions qui se trouvent dans le royaume. But we don't want to do the work of the ministry. Nous ne voulons pas faire l'œuvre du ministère. Let's go to Romans chapter 10, verse 13. Allons dans Romains 10, 13. Hallelujah. Amen. Amen. Romans 10, verse 13. Romains 10, 13. Glory to God. Here it says, For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Anybody that calls upon the name of the Lord shall be saved. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or can be saved. Amen. Ou bien peut être sauvé. Amen. Whosoever means whosoever. Et quiconque, ça veut dire vraiment quiconque, en fait, n'importe qui. The gospel does not discriminate. Ça veut dire que l'évangile ne discrimine pas. In verse 14, how then shall they call on him whom they have not believed? Et il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? And how shall they believe in him of whom they have not heard? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? And how shall they hear without a preacher? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Amen. Now you see here there's a process. Il y a un processus que vous voyez ici. Until before a person comes to the place of salvation, avant qu'une personne ne puisse atteindre donc le lieu du salut, le there moment needs du to be a salut, preacher. ils doivent trouver un prédicateur. They need to hear the word of God. Ils doivent entendre la parole de Dieu. And then they can believe. Et alors ils pourront croire. Amen. And you and I are the preachers. Et vous et moi, nous sommes ces prédicateurs. See, right now I'm the preacher on a Sunday morning. Maintenant, moi, je suis prédicateur du dimanche. But you are the preacher on Monday. Mais vous êtes le prédicateur du lundi. You are the preacher on Tuesday. Du prédicateur du mardi. Wednesday, Thursday, and so on. Mercredi, jeudi, vendredi, et ainsi de suite. Hallelujah. And without you and I, without you, et sans vous, sans moi, how can anyone believe? Comment quiconque pourrait croire? How can your neighbor believe? Comment ton voisin pourrait croire? How can your family member get to the Comment ta famille pourrait arriver à ce niveau de croyance if they have not heard? S'ils n'ont pas entendu? And how can they hear?
Et comment pourraient-ils entendre if you have not spoken to them? si vous n'avez pas parlé? Glory to God. Hallelujah. And then verse 15, it says, how shall they preach except they be sent, as it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Verset 15, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. And all of us has been sent. Et chacun d'entre nous, nous avons été envoyés. Not just the fivefold ministry, but all of us have been Pas sent. seulement ceux qui sont dans les cinq ministères, mais chacun d'entre nous, nous sommes Whether you are envoyés. an apostle or not, Que vous soyez apôtre ou pas. teacher or not, pastor or Que not, vous soyez pasteur ou pas, enseignant ou pas, you are a minister of vous reconciliation. êtes un ministre de la réconciliation. And then verse 16 says, but they have not all believed the gospel, for Isaiah says, Lord, who have believed our report? Au verset 16, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? And so the truth is that not everybody will believe. Et la vérité, c'est que ce n'est pas tout le monde qui croira. Hallelujah, but everybody has the right to hear the gospel. Mais tout le monde a le droit d'entendre l'évangile. Must be given the opportunity to hear. On doit donner à chacun l'opportunité d'entendre. Whether they believe or not, that's now then between them and God. Qu'il y croit ou pas, cela c'est entre eux et Dieu. And because that some may not believe, should not be the reason why we stop sharing. Et parce que certains ne vont pas y croire, ça ne devrait pas être une excuse pour nous de ne pas partager. Amen. Because as we keep sharing the word, Parce que alors que nous continuons à partager l'évangile, hallelujah, it increases the chances for them to believe and receive. cela accroît la chance qu'ils puissent pouvoir y croire. And that's why in verse 17 it says, so then faith comes by hearing and hearing by the word of God. C'est pour ça que le verset suivant dit, Ainsi la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. The faith to believe in God. La foi de croire en Dieu. The faith to believe who Jesus is La foi de croire en qui est Jésus. comes by hearing of the preaching of the gospel. Cette foi-là vient en entendant l'évangile, Comes through the word of au reconciliation. travers de la parole de la réconciliation. Glory to God. Amen. Amen. And so we must not shy away from it. Donc nous ne devrions pas être timides en fait. We must not be afraid or Nous intimidated. ne devons pas avoir peur ou être intimidés. Hallelujah. We live in a climate right now that in some places is people are very hostile towards the gospel. Nous vivons dans un climat, dans des temps où les gens sont hyper hostiles en fait à l'évangile. But we know that the gospel still carries power. Mais nous savons que l'évangile a toujours la même puissance. Amen. In Romans 1:17, it says, it is the power of God unto salvation. Romains 1:17, elle dit que c'est la puissance de Dieu pour le salut. And then in Titus chapter 1, verse 3, Tite 1:3. it tells us that God manifests his word through Ça preaching. nous dit que Dieu manifeste sa parole au travers de la prédication. God manifests his word, he manifests his promises. Il manifeste ses promesses, sa parole. And we can say that also that God manifests his power through preaching. Et on peut dire que Dieu manifeste sa parole au travers de la prédication. And so if we don't preach the word, Donc if we don't preach the gospel, si nous ne prêchons pas l'évangile, la parole, how can God then manifest his power? alors comment Dieu pourrait manifester sa puissance? Excusez-moi, est-ce qu'il n'y a que moi qui ne vois plus pasteur ou... I can't hear you. Okay, hello, can you hear me now? Yeah. Okay, wow, that was strange. For some reason, it just quit on me. Amen. Maybe the devil don't want to hear this message C'est for me to étrange, preach. ça s'est coupé juste lui, tout d'un coup. All right, can you all see me all right? Hear Vous me me voyez okay? tous, vous m'entendez tous? All right, praise God. Give me one second. God is good. All right, amen. We preaching the gospel whether we get attacked or not. Amen. Nous prêchons l'évangile, peu importe l'attaque. Hallelujah. Amen. Where was I? Praise the Lord.
And so I said in Titus 1, verse 3, Oh, donc j'ai dit en Tite 1, 3. it tells us that God manifests his word through the preaching. Donc ça, Through preaching. il dit que donc Dieu manifeste sa parole au travers de la prédication. Hallelujah. Now let's go to Ephesians chapter 4. Nous allons en Éphésiens 4. We're going to close very soon. Ephesians chapter 4. Éphésiens 4 et nous clôturons très bientôt. The ministry of reconciliation. Le Amen. ministère de la réconciliation. Amen. You are a minister of the gospel. Vous êtes un ministre de l'Évangile. God has called you to be a minister of reconciliation. Et Dieu vous a appelé à être un ministre de la réconciliation. And so we have been called to share the word of God. Et donc nous avons été appelés à partager la parole de Dieu. Whether people believe or not. Que les gens y croient ou pas. Whether they receive or not. Qu'ils reçoivent ou pas. Whether they mix the word with faith or not. Qu'ils la mélangent à la foi ou pas. That now becomes an issue between them and God. Amen. Et donc le reste c'est entre eux et Dieu. But we have fulfilled our part or done our part. Mais notre partie à nous c'est de faire ce que Dieu nous demande de faire. And so God gave us the fivefold ministry gift. Et donc Dieu nous a donné les cinq ministères. That we know as the apostle, the prophet, the pastor, Les apôtres, les evangelist, prophètes, les évangélistes, les and pasteurs teacher, et and teachers, les enseignants to help us, to equip us, pour aider donc à être équipés to be able to do this work of the ministry, pour être capable de faire l'œuvre du ministère, or be the ministers of reconciliation, ou bien Amen. D'être les ministres de la réconciliation. Amen. And so their job is to equip us. Let's go to. Donc leur travail c'est de nous équiper. Let's read verse 11 for time's sake. Le verset 11, nous allons lire. And here he says, and he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. These are the gifts that Jesus gave us. Ce sont les dons que Dieu nous a donnés. Amen. A prophet is a gift to the body of Christ. Un prophète est un don pour le corps de Christ. The pastor is a gift to the body of Christ. Le pasteur est un don pour le corps de Christ. And verse 12 tells verse 12 onwards tell us the purpose. Et donc le 12 nous dit le but en fait. He said for the perfecting of the saints. Il dit que c'est pour le perfectionnement des saints. Perfecting there means maturity. Ça veut dire ici la maturité. Growing up. Amen. De grandir. For the perfecting of the saints. For the work of the ministry. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Amen. We have pastors, we have prophets, we have evangelists. Nous avons des pasteurs, des prophètes, des évangélistes. We have apostles. Des apôtres. To teach us and help us grow and mature in the word of God. Pour nous enseigner, nous aider à grandir et à devenir mature dans la parole de Dieu. So that we can do the work of the ministry. De sorte que nous puissions faire l'œuvre du ministère. We can do the work of the ministry, which is the ministry of reconciliation. Que nous puissions faire l'œuvre du ministère qui est le ministère de la réconciliation. Glory to God. Amen. Amen. And so the purpose of encounter, the purpose of going to church and listening and hearing the word of God. Et donc la raison pour laquelle nous allons à l'église pour écouter la parole de Dieu. It's not so that we can be blessed. Ce n'est pas tant que pour nous que nous soyons bénis. It's not just for us to be blessed. Ce n'est pas seulement que nous puissions être bénis. But it's for us to be equipped. Mais que nous puissions être équipés. To fulfill the primary calling that God has given us. Pour accomplir le but en fait primordial que Dieu nous a donné. I am equipping you right now. Je vous équipe maintenant. Amen. I am giving you tools. Je vous donne des outils. Amen. Every now and then we will teach on things that will help us. In our personal lives. Dans certaines, à certains moments, on va nous enseigner des choses qui nous aideront dans notre vie personnelle. A pastor will invite other ministers, other gifts to come and help you and encourage you. Un pasteur va inviter d'autres pasteurs pour pouvoir venir vous encourager. Amen. And Amen. The total reason for all of that is so that you can be equipped. Et donc la raison, c'est pour que nous puissions être équipés. Yes, so that your life could be blessed. Que votre vie soit bénie. And then you can also go and do the work of the ministry. Et que vous puissiez aller et faire l'œuvre du ministère. Your life being blessed is not so that you can just sit. Que votre vie soit bénie, ce n'est pas pour que vous puissiez simplement être en train d'être assis. But to share the reasons why your life is being blessed. Mais de véritablement aller et partager la raison pour laquelle votre vie est bénie.
Hallelujah. And so he said, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry. Il dit pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère. For the edifying of the body of Christ. Et pour l'édification du corps du Christ. For the building up of the body of Christ. C'est pour bâtir le corps du Christ. Hallelujah. Amen. Amen. For the growing of the body of Christ. C'est pour la croissance du corps du Christ. Glory to God. And so, you know, we have to be reminded that we have a calling from God. Donc, nous devons nous rappeler que nous avons un appel de Dieu. We have an assignment from God. Sorry, Pastor. It's okay. Hallelujah. All right. No, it's not. Okay. Glory to God. Gloire à Dieu. Hallelujah. Amen. Amen. We have been made ministers of reconciliation. Nous avons été rendus ministre de la réconciliation. We have been given the word of reconciliation. La parole de la réconciliation nous a été donnée. We have been made ambassadors of Christ. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Amen. We have been sent by God to nous go. Nous avons été envoyés par Dieu pour Just aller. Like Jesus sent his disciples. Comme il avait aussi envoyé ses disciples de la même manière. And we have been equipped. Et nous avons été équipés. Every week, chaque semaine, so that we can also share the good news to others. Pour que nous puissions à chaque fois aller et partager la bonne nouvelle avec les autres. We are supposed to exercise the word that we hear and we receive. Et nous sommes supposés exercer la parole que nous recevons et que nous entendons. By sharing with others. En partageant cette parole avec d'autres. Hallelujah! Not just receiving every week and becoming spiritually fat. Et pas seulement le fait de recevoir chaque semaine et puis nous devenons spirituellement gros. You can become spiritually overweight. Vous pouvez vous pouvez être en surpoids spirituel. Where you just eat the word, take the word, take the word. Vous savez, c'est quand vous assimilez, recevez la parole. But you never exercise or give it out. Mais jamais vous ne la sortez en fait, jamais vous ne la transmettez. I call that spiritual gluttony. Et moi j'appelle ça du gloutonnement spirituel. Amen. And so we are supposed to exercise the word. Et donc nous sommes supposés exercer la parole. We are supposed to testify and share the blessings that we have received from Et nous the sommes word. Supposés aussi partager, témoigner donc tout ce que nous avons reçu. If God has been good to you. Et si Dieu a été bon avec vous, If God has been real to you, which he has, si Dieu a été vrai avec vous, ce qu'il est, to all of us, pour tous, amen, we cannot, where am I? We cannot keep it to ourselves. Si c'est le cas, alors nous ne pouvons pas le garder pour nous-mêmes. Amen, that is not being a good ambassador. Parce que si nous faisons cela, c'est que nous ne sommes pas un bon ambassadeur. We are to tell the citizens of this world. Nous devons dire aux personnes, les citoyens de ce monde, that there is a better country. Qu'il y a un meilleur pays. That they can be part of. Duquel ils peuvent aussi faire partie. That they need to change their nationality. Et qu'ils devraient penser à changer leur nationalité. Amen. And they need to become part of the kingdom of God. Et qu'ils devraient faire partie du royaume de Dieu. Because in this kingdom there are benefits. Parce que dans ce royaume, il y a des bénéfices. There are blessings. Et il y a des bénédictions. That surpass all earthly things. Amen. Qui surpassent toutes choses terrestres. And the king in this kingdom. Et le roi dans ce royaume. He takes care of his people. Il prend soin de son peuple. His people are his children. Et son peuple, ce sont ses enfants. Amen. And this is what we have been called to be and to do. Et c'est ce à quoi nous avons été appelés, ce à quoi nous avons été appelés à faire. To be ministers of reconciliation. Nous devons être des ministres de la réconciliation. Hallelujah. You start from your world. Et vous commencez avec votre monde. Your family, your community, your neighborhood. Votre famille, votre communauté, votre Amen. Voisinage. Wherever God and wherever God takes you, your workplace. Là où le Seigneur vous amène, sur votre lieu de travail. Amen. There are some people in your life, they are in your life for a reason, a purpose. Et il y a des gens qui sont dans votre vie, ils sont dans votre vie pour une raison, pour un but. And God is calling you to reach out to them. Et Dieu vous demande de pouvoir aller vers eux. There are some friendships and relationships that we have. Il y a des amitiés, des relations que nous avons. Amen. And it is not just, there is a purpose for that relationship.
Ce n'est pas simplement comme ça, mais c'est parce qu'il y a un but en fait à cette relation. There is a reason why God takes you to certain places. Il y a une raison pour laquelle Dieu vous amène à certains endroits. It's not so that you can just be there and just say, hey, look at me. Ce n'est pas simplement pour que vous soyez là et que Dieu dise, ah, mais regardez-moi. Because he's called you to be a minister in that place. Non, c'est parce qu'il vous appelle à être un ministre dans cet endroit. And you need to ask him for that wisdom and that way to go about to reach those in that place. Et vous devriez véritablement utiliser cette sagesse pour savoir comment aller et atteindre ces personnes à cet endroit-là. Amen. We need the wisdom of God in these days. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu And the leading and guide of the Holy Spirit et la guidance du Saint-Esprit to help us fulfill this call. pour nous aider à accomplir en fait In the cela name of Jesus. dans le nom de Jésus. Hallelujah. Praise God. Well, we're going to stop right there. On va s'arrêter ici. And I trust and pray that this word has been encouraging. Je crois que cette parole vous a encouragé Amen. And also challenging at the same time. et qu'elle vous a aussi défié And bringing us back to the bigger picture. et qu'elle vous a permis donc d'arriver à avoir l'image dans son entièreté And the primary calling that God has for us. Amen. et de connaître la priorité que Dieu a pour chacun d'entre nous, l'appel premier qu'il a mis en nous, au nom de Jésus. Glory to God. Let's pray. Father, we thank you for your word this morning. Père, nous te remercions pour la parole de ce matin. We receive your word with joy and gladness. Nous recevons ta parole avec joie et avec gaieté. Thank you for reminding us today Merci de nous avoir rappelé aujourd'hui of who we are and what you have called us to be and to do. qui nous sommes et la raison pour laquelle tu nous as appelés. We accept that call, Lord. Nous acceptons cet appel, Seigneur. We accept that we are ministers of reconciliation. Nous acceptons que nous sommes des ministres de la réconciliation. With the word of reconciliation in our mouth. Et que nous avons la parole de la réconciliation dans And nos that bouches we are ambassadors of Christ. et que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Hallelujah. And so we thank you that you will lead and guide us. Non, nous te remercions de ce que tu vas nous conduire, nous diriger. In fact, we pray that you lead and guide us. En réalité, nous prions que tu puisses le faire. Open our eyes and show us Ouvre nos yeux et montre-nous those you have called us to. ce que tu as appelé. Those you want us to reach. Ce vers qui tu nous as appelés, ce vers qui tu nous envoies. In the mighty name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. Even show us those you want us to start praying for. Montre-nous aussi ceux pour qui tu veux que nous commencions à prier. So they can also have this great privilege. De sorte qu'ils puissent aussi avoir ce privilège. An opportunity to hear and receive the gospel. Et cette opportunité de recevoir et d'entendre l'évangile. We give you the praise and all of the glory for this. Nous te donnons la louange et toute la gloire, Seigneur. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de We Jésus. thank you, Lord. Hallelujah. Nous te remercions. Oh Lord, we thank you for our salvation. Nous te remercions pour notre salut. We thank you that you use somebody to reach out to us. Te remercions de ce que tu as utilisé quelqu'un pour pouvoir nous atteindre. And we heard your voice. Et nous avons entendu ta voix. We give you the praise and glory. Nous te donnons la louange et la gloire. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.